Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à me rejoindre sur Twitch, Marshmasama, lien dans la description. On va tout péter sur Twitch, on s'amuse, des lives presque tous les jours. Allez, viens, on est bien! Ladies and gentlemen, welcome to the Marshmas Show. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le magnifique jeu Dragon Ball Legends pour une nouvelle vidéo en invocation. On a une vidéo un petit peu particulière parce que là voilà, pour les 2 ans ils nous ont sorti un portail où tous les jours on a le droit à une multi gratuite. Donc tous les jours je vais m'enregistrer en train de faire la multi et ensuite je ferai une vidéo avec 10 ou 12 multi invocations. On verra ça sur combien et peut-être 2 vidéos. Bref, pour voir s'il y aura du lourd ou pas. Donc là aujourd'hui c'est pas une mais 2 multi que je vous propose parce qu'on a aussi le truc qui est là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est encore un petit peu en bas. Il est encore un petit peu en bas. Et oh! Mais il est où? C'était avec des tickets, voilà, c'était ça. Voilà, on a aussi des petits tickets qui vont nous donner pendant les 2 ans pour pouvoir faire d'autres multi. Donc là, c'est parti pour la première en espérant... Attendez, avant ça, on va se regarder vite fait les personnages. Toi, je t'ai déjà, mais tu peux retomber. Toi, je t'ai déjà, mais tu peux retomber. Je t'ai déjà plein de fois, ce serait chiant que tu retombes. Tu peux retomber, tu peux retomber, tu peux retomber. Ça ira. Tu peux retomber. Ça ira, ça ira, et voilà, ok, bon bah ça c'est les persos détecteurs si jamais on a le Kinto, mais je vois que derrière genre on a Hit et tout, et genre Hit c'est un personnage que j'ai pas encore, donc si jamais il pouvait tomber dans toutes les multi offertes, je prends avec un grand sourire. Allez, c'est parti pour la première multi sur les 2 que l'on se fait là de suite. Allez, 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 allez. Si jamais au niveau des animations, il n'y a rien qui a l'air d'être transcendant, je pense que je les passerai, sinon ça fera une vidéo très très longue pour rien. On a 5 capsules, on a du ciel bleu. Généralement, quand il y a ce ciel-là, c'est peut-être annonciateur de quelque chose. Donc on va laisser l'animation pour le moment, c'est plutôt égalité. Le petit glissé bleu, bon bah ça, le petit glissé bleu, c'est annonciateur de rien du tout. Et une égalité, bon. Logiquement, à moins qu'il y ait un fake out, on ne devrait pas avoir grand chose là-dessus. Ça sent peut-être même la multi-full hero. Après, je sais que pour les 2 ans, les taux de sparking ont été augmentés. Je crois que c'est monté à 10%. Est-ce que c'est valable pour tous les portails ou pas? Je ne sais pas. Là, ça sent quand même le truc full hero. Hein. Ah, un extrême, voilà, on m'a fait mentir. Ok, le Vegeta, on s'en fout. Waouh! Ok! Eh bien, heureusement que c'était gratuit, parce que là, la première, j'espère que ça va pas donner le ton de tout ce qu'il y aura, parce qu'elle était dégueulasse, hein. Bon, vas-y, on part directement pour la deuxième. Ouah, horrible. Horrible, horrible, horrible. Ok, bon, vas-y, allez, croisage de doigts, peut-être que là-dessus, moi, je veux hit, je veux vraiment hit à fond. On a 3 capsules, 3 capsules et tasse, logiquement, ça veut pas dire grand-chose. Goku, il est parti au combat, Goku, il tape. Ok. Ok, bon bah là on est sur de l'égalité, on est sur un gros glissé bleu, celle d'avant on était sur un petit glissé bleu, donc est-ce que... Ah, je le soulève, ok, ok, on a un sparking, on a un sparking, on a un sparking, ça va être lequel, putain, le hit, ce serait beau le hit, oh le hit, ça putain, ça me ferait kiffer d'avoir le hit là, allez, 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 le sparking, le sparking, le sparking. C'est la douche froide, ça! C'est la douche froide! Bon, moi, je l'avais déjà 3 étoiles, elle va passer 4 ou 5 étoiles. Bon, c'est gratuit! C'est gratuit, mais franchement, c'est pas mignon. Là, ce qui vient de tomber, c'est pas mignon. Et ah, le Rikoum extrême, ça, c'est lourd. C'est beaucoup plus lourd que la Videl qui est tombée. Ça, j'apprécie d'avoir des membres du commando Ginyu. Ok, bon, bah, elle passe 4 étoiles. Troisième multi! Allez, en espérant avoir un petit peu plus de chance et qu'il y ait un petit hit des familles qui tombe, ça ce serait le grand plaisir. Le chargement est un petit longuet, peut-être que ça annonce quelque chose d'intéressant. 3 capsules avec du ciel rouge, ok. Ok, 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 ok. Ça se tape, ça se tape, ça se tape. Pour le moment, c'est de l'égalité. Hop, le gros glissé bleu. Bon, bah, gros glissé bleu, ça va pas être annonciateur de quelque chose de fantastique. Et l'égalité. Ok. Le Goku Hero, suivi de le C19 Hero, suivi de le Nail Hero. Oh, putain, du Barta Hero. Ça va être du full Hero, là?
J'espère que non tout de même, mais même si là ça a l'air d'être bien engagé pour du full hero. Ah, un extrême quand même, allez, un bon moment. Bah, Zanga, ouais, bon, c'est pas ouf. C'est parti pour la quatrième. Je demande du hit, ça ferait plaisir d'avoir du petit hito qui tomberait. Bon, comme j'avais demandé pour la troisième, hein, mais je veux le hit. Allez. Wouah, une capsule, c'est pas beautiful ça, du Super Saiyan, c'est déjà un petit peu plus beautiful cette histoire. Allez, s'il te plaît, assure-moi un sparking. Allez, le gros glissé bleu, c'est pas mort, ça va se jouer là-dessus, soulève le Goku s'il te plaît. L'égalité, bon. Pan héros. Kuririn extrême, encore de l'extrême, la Caulifla, le Jaco héros, le Barta héros, le Saibaman héros, le Nail héros. Ok, bon bah je crois que là-dessus on va se faire pisser dessus niveau Sparking. Oh putain, ça fait deux d'affilée qui sont dégueulasses là. La cinquième, logiquement 5, c'est un bon chiffre, donc est-ce que ça va porter le bonheur ou pas le borneur? Oui bien sûr le borneur. On adore le borneur. Il est où le borneur? Il est où? Il est là. C'est un peu long. Ouh, ok. Il y a un personnage détecteur, putain, le hit. Le hit ou un autre qui est bon, putain, s'il vous plaît. Ouh, allez. Là au moins déjà, on sait quoi, du sparking et du sparking intéressant. On le soulève, pas du troll. Normalement, c'est peut-être deux sparkings là-dessus, hein. Allez. Jaco héros, s'en fout le premier sparking ou pas? Ah, Goku et CG4, ça fait plaisir, il est mignonos! Ça, j'aime bien. Ok, du Guldo, très bien. Bon, au moins, là, sur le sparking que j'ai eu, je suis pas mécontent. Est-ce qu'on va en avoir un autre ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, là, le petit Goku. Oh, il y a un deuxième! Oh, la couleur violet pour la team Hello! Oh, yes! Cool! C'est bon, ça! C'est 2 ou c'est 3 sparking? 2, ouais bah 2, c'est déjà pas mal du tout. La sixième multi-invocation. Bon, la précédente, elle était quand même sacrément mignonnette. Est-ce que celle-ci va être du même acabit ou pas? Une capsule. Oula, une capsule, ça semble pas très bon ça, généralement, quand il y a une capsule. Au niveau de la tape, ah, je le soulève. Honnêtement, j'aurais pas du tout pensé le soulever. On va voir ça là-dessus. Le gros glissé bleu, est-ce que je vais le monter en l'air ou pas? Oh, je le monte en l'air, il y a du sparking. Le sparking. Allez, putain, le hit. Ça serait beau d'avoir le hit. Ce serait vraiment très beau. Ce serait fantastique. Bon, pour le moment, on part sur du héros bien comme il faut. Ouais, je crois qu'il va y avoir un seul sparking. J'espère qu'il va pas être pourri. Allez. C'est bon, ça va. Wow. Full héros avec un sparking, c'est ça l'histoire? Le sparking! Ah, cool. Pas de quoi crier, mais c'est un personnage que j'ai eu très tard. Il a son Zenkai, là j'ai pas encore de quoi le Zenkai, mais c'est cool. Plus il va tomber ce perso, plus je vais être content et plus je me rapprocherai du Zenkai. La septième petite multi, enfin la septième ou la sixième, hein, là je sais plus. Bref, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est dropper 6 ou 7 le chiffre. Oh là là, il y en a brûlé. Allez, c'est long. Ça veut dire qu'il y a peut-être du 8. 3 capsules. Bon, bah, vous commencez à connaître. C'est pas annonciateur, logiquement, de grand-chose. Allez. Du glissé bleu petit. Glissé bleu petit, c'est pas la fiesta. On va espérer le fait caout, hein. Le Radistero, ok, de l'extrême, du Vegeta extrême, on s'en fout, encore de l'extrême et du Ginyu. 17, on s'en fout, encore de l'extrême. Freezer troisième forme, putain, c'est 17, ouais. Krillin, ouais, elle est dégueu hein, celle-là, et c'était le dernier. On continue, les petites multi-invocationnettes. Allez, le chargement là qui a l'air d'être un peu long, c'est... Ouais, Hit, il est là, ouais, moi je m'y connais, sûr et certain, il est là. C'est très long, forcément, il est là. 3 capsules, ok, ça commence à faire beaucoup de multi où il n'y a que 3 capsules. Ok, on le soulève, il y a peut-être moyen d'avoir un sparking là-dessus, on a dû... Ouais, c'est peut-être possible. Nique-le. Oh, bah,
Vas-y, on va espérer, on va croiser les doigts, du coup. Oh, c'est 14 extrêmes, c'est cool, ça. On continue avec... Oh, bah, c'est 15 extrêmes, c'est cool, ça aussi. Bon, bah, là, au moins, niveau extrême, on est un petit peu viscère. Mais on veut quand même le Sparking et on veut surtout le Ito. Le Ito-sama, je crois que c'est le dernier, de toute façon, personnage qui me manque. Et le C13, ok, bon, bah, tous les robots, ouais... Tous les cyborgs en extrême qui sont tombés, je les avais déjà, mais cool, en soi, ça fait plaisir au niveau extrêmes. Oh putain, il n'y a pas de Sparking encore une fois. Et on continue les séries d'invocations, ça doit être la 9e multi, il me semble, donc potentiellement on arrive à la fin de cette vidéo. Allez, le hit, le hit, le hit, le hit, le hit, le hit. Le hit, le hit, le hit, le hit, 5 capsules, 5 capsules, 12 ou pas Saiyajin. Allez, allez, ok, on soulève le freezer, logiquement, on va avoir du Sparking, ça va se jouer là-dessus. Je pense que là on a du Sparking, nique-le, 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 nique-le. Ah, mais pourquoi est-ce que je me fais soulever? Bijita, on a du Sparking, ouz. Allez, putain, je veux tellement le hit. Comme ça, je lui mets des pouvoirs Z sur lui, 3 étoiles, et c'est parti, mon kiki. Hein. Allez, 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 allez. Ah, mais il est derrière, mais pas au premier plan. Mais c'est un bon perso, quand même. C'est quand même... Mais casse-toi, toi, le moucheron, là. C'est quand même un bon perso. Ok, le Tenchian. Peut-être qu'il y a un autre, peut-être qu'il y a un autre Sparking là-dessus. Hein. Ça ferait plaisir. Hein. Allez. 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 Non, non, bon, 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 on a eu un Sparking. Oh putain, 4 étoiles rouges maintenant. On continue, bon, sachant que j'en ai loupé une à un moment donné, je devais la faire le soir, bah hier soir. J'ai zappé. Si ça se trouve, c'est dans celle-là qu'il y avait Hit. Ça se trouve, c'était celle-là. Et... Ah ouais, bah, j'ai perdu quoi. Allez, 5 capsules, oh le Vegeta, donc déjà on a du Sparking. Oh, ça me fait plaisir. Ouais. Vous le sentez, le petit personnage jaune avec une tête violette, enfin la couleur jaune de la carte, la tête violette qui s'appelle le Hit, qui est complètement dans cette multi. Ouais, moi aussi je le sens. Allez, 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 allez. Ah non, mais t'es pas Hit, toi. T'es un personnage jaune, effectivement, mais tu n'es pas Hit. Espérons qu'il y en ait un autre. En plus, j'ai déjà Zenkai depuis très 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 longtemps, le Black Goku jaune, donc... Aucun intérêt à l'avoir droppé, le Whis en extrême, ça fait plaisir tout de même, ça fait plaisir. Allez, 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 ah, Doma. Bon, bah voilà, il est passé 2 étoiles rouges. La continuité des petites muletis gratuites des 2 ans. Allez, 5 capsules. 5 capsules, ok. Ok, ça se tape. On soulève, enfin on le soulève, pour le moment on le nique. Est-ce qu'après on va vraiment le soulever ou pas, on sait pas. Allez, allez, stop, les stop, les stop. Putain, mais pourquoi est-ce que tu t'es relevé, collègue? Oh non, 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 on se fait soulever. On se fait soulever. Oh, mais il y aura toujours pas Hit qui sera caché là-dessus. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas le Hit là-dessus. La gratuité, c'est bien, mais si c'est pour avoir de la merde aussi, c'est un peu chiant, quoi. Bon, après... Ah, ça c'est cool. Il retombe encore une fois le collègue, c'est plutôt sympathique. Mais je crois qu'il n'y a pas de Sparking, et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. Multi suivante. Allez, je ne perds toujours pas l'espoir. Et tu vas tomber, et maintenant, une capsule, ça m'étonnerait. Putain, me fait chier, moi aussi c'est... Bah après c'est normal que j'ai tout le portail, sauf Hit, mais c'est chiant d'aller chercher qu'un seul perso, quoi. Après, il y a d'autres bons doublons que je veux, hein, sans aucun souci, de l'égalité. Est-ce que ça va être une multi de merde, oui ou non? Oh, le fake out, on part sur quoi? Non, non, non. Totalement dépassé. Totalement dépassé. Dépassé. Tu es dépassé. Il va pas y avoir un autre fake out là?
Le fake out, eh bien non, la continuité de la continuité des petites multi-invocations tous les jours dès 2 ans. Est-ce que là il va y avoir du lourd ou pas? Déjà du sparking, ça serait bien. 3 capsules, ok. 3 capsules, bon, hein. Ça se tape avec Zeko. Ça se fait soulever. Oh. Oh, le moyen glissé bleu. Bon, ça pue la défaite encore, hein. Bon, je viens de Teps, mais ça pue la défaite quand même, hein. Allez, allez, vas-y, passez-moi tout ça, là, je sens qu'il n'y a aucun suspense là-dessus, il va rien avoir. Peut-être la multi-foulée roue, peut-être un extrême, ok, ah bah oui, un extrême, allez, ça va être qui? Pan, ok, très bien, allez, vas-y, termine-moi ça, j'ai envie d'appuyer sur passer, là, tellement que je sais qu'il va rien avoir. Oh, elle est moche, oh! Oh! Ah, ça fait 10 ans que je vous saoule avec Hit, et il est tombé aujourd'hui. Dans une single à 20, sur un portail pas du tout prévu, le collègue il tombe comme ça, alors que là j'ai fait combien de multi pour qu'il tombe pas? Je comprends pas ce jeu. Et maintenant qu'il est tombé une fois, je sens qu'il va faire que de tomber, hein, le collègue. Hein. Ça va être comme mon couleur bleu, voilà, celui qu'on peut Zenkai. Le mec est jamais tombé, maintenant je l'ai une étoile rouge. Voilà, bah là voilà, maintenant on a du sparking. Allez, vas-y, sors-moi un hit maintenant, qu'on rigole, vas-y, sors-moi un hit. Par contre, je l'ai pas soulevé. Alors que j'ai eu du truc qui annonce du sparking. Bizarros. Il sort le sparking. Sort. Il est là. Je savais même pas qu'on pouvait l'avoir. Hein. Oh là là. Ouais, non, mais un sparking pour ça. Catastrophique. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo Invocation. J'avais dit en début de vidéo que j'en ferais deux, finalement j'en fais qu'une. Et je vais expliquer le pourquoi du comment. Bah tout simplement, maintenant j'ai tout le portail. Le dernier perso qui me manquait, c'était le petit Itune. Voilà, qui est tombé, qui fait extrêmement plaisir. Et puis là, en termes de drop, c'est pas non plus la folie. Hein, donc je vais pas m'infliger moi-même de tourner genre tous les jours un petit bout de vidéo pour faire un montage après, pour que finalement il y ait de la merde dedans. Et puis même vous, si ça se trouve, ça va pas tellement vous intéresser. Donc voilà. Une vidéo avec 14 multi, c'est déjà bien, c'est déjà sympathique. Moi, je me suis quand même régalé, mais le reste, bah, je ferai ça en off, tout simplement. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu bah, un peu plus de chance que moi dans les drops, ou si bah, vous, de votre côté, c'est le shaft aussi. Hein, voilà, vous me racontez tout ça, le petit commentaire, ça follow sur Twitch et compagnie. Ça fait plaisir. Bref, bon, bah, sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite de mes vidéos. À bientôt, tout le monde. Ciao!